Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 24 juillet 2024 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 20 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, soit un projet de loi au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, 4 projets de décret au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, 7 projets de décret au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, 3 projets de décret au titre du ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, 4 communications au titre respectif, d'une part, du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, du ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, et du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, d'autre part. Enfin, une nomination au titre du ministère de la Défense nationale. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Aimé-Ange Wilfried Bininga, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des Peuples autochtones, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un projet de loi instituant la profession d'huissier de justice. Il s'agit ici de doter notre pays d'un nouveau cadre juridique instituant la profession d'huissier de justice en remplacement de celui qui découlait de la loi numéro 02792 du 20 août 1992 portant institution de la profession d'huissier de justice. Le texte soumis à l'examen du Conseil des ministres a pour objet d'introduire les aspects nouveaux apparus depuis lors, notamment ceux liés au droit OADA ainsi que les meilleures pratiques dans l'exercice de la profession d'huissier, qui n'était pas prise en compte antérieurement. Parmi ces innovations, on peut citer la possibilité d'exercer la profession en groupement ou sous forme de salariat, mais également la définition des modalités du stage et aussi l'interdiction pour un huissier d'instrumenter, c'est-à-dire d'agir, dans le cadre d'actes à effectuer sur des affaires concernant leurs parents et collatéraux jusqu'au troisième degré, leur conjoint et les parents du conjoint en ligne directe. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi instituant la profession d'huissier de justice. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Firmin Ayessa, ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, a soumis à l'examen des membres du Conseil 4 projets de texte. Il s'agit en réalité des premiers textes d'application pris dans le cadre de la loi numéro 68-2022 du 16 août 2022 portant statut général de la fonction publique. Le premier de ces textes est un projet de décret fixant l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique. Ce Conseil a pour fonction de délibérer sur toute question à caractère général concernant la fonction publique, notamment l'emploi, la formation professionnelle, la discipline, la sécurité sociale, l'hygiène, les conditions de travail, la grille salariale de la fonction publique, ainsi que des questions liées à des comportements éventuellement fautifs des fonctionnaires et autres questions plus générales. Le deuxième texte est un projet de décret fixant l'organisation, les attributions, le fonctionnement de la commission des équivalences administratives des diplômes. Cet organe est notamment chargé de donner des avis pour chaque niveau de qualification exigé pour l'accès aux différents corps de l'administration. Il est également chargé d'arrêter la liste des titres et diplômes reconnus par l'État ou reconnus équivalents, avec mention des établissements habilités à les délivrer, mais également pour cet organisme de déterminer les grades auxquels les titres et diplômes reconnus par l'État
sont susceptibles de donner droit dans la fonction publique. Le troisième texte présenté par le ministre d'État Firmin Ayessa est un projet de décret fixant les grades correspondants aux catégories et échelles dans la fonction publique. Ce projet de décret indique que tous les actes relatifs au recrutement et à la gestion des carrières administratives dans la fonction publique devront désormais se conformer aux règles qu'il contient. Ainsi, les trois échelles des trois catégories prévues par le statut général sont désormais toutes pourvues de grades. Ces grades sont fixés en tenant compte du niveau de recrutement prévu par le statut général. Enfin, le quatrième texte soumis aux membres du Conseil par le ministre d'État Ayessa est un projet de décret fixant les conditions et les modalités d'organisation du concours de recrutement dans la fonction publique. Ce texte définit le concours de recrutement dans la fonction publique comme un mode de sélection qui permet de choisir les meilleurs parmi les candidats remplissant certaines conditions en vue de l'attribution de postes d'emploi dont le nombre est limité. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté ensemble les quatre projets de décret soumis à son examen par le ministre d'État Ayessa. Invité par le chef de l'État à prendre la parole, M. Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, a soumis à l'examen et adoption du Conseil sept projets de décret. Ces projets portent sur le déclassement d'une dépendance du domaine public de l'État, cadastrée section 1, bloc 31, parcelles 1, 2 et 16, arrondissement numéro 2, Bakongo, centre-ville, commune de Brazzaville, et une cession à titre onéreux de la même dépendance, relevant désormais du domaine privé de l'État. Le deuxième projet de décret est le déclassement de la propriété non bâtie du domaine public de l'État, cadastré section L, bloc, parcelle, située au lieu dit rond-point des quatre points cardinaux, district de Louvakou, département du Niari, et une cession à titre onéreux de la même parcelle de terrain reversée ainsi dans le domaine privé de l'État. Les autres projets de décret sont le déclassement de la propriété non bâtie du domaine public de l'État cadastré section AR 3, bloc 91, parcelle 1, située au quartier Moussoso-Mayanga, arrondissement numéro 8 Madibou, commune de Brazzaville. Et une cession à titre onéreux de la même propriété désormais classée dans le domaine privé de l'État. Enfin, le dernier projet concerne le déclassement de la propriété non bâtie du domaine public de l'État, cadastrée section D2, bloc 35, parcelle 2, arrondissement numéro 1, Makelekele, commune de Brazzaville. Pour la déclinaison de ces projets, il faut noter que le premier dossier concerne le garage administratif. Cette propriété a été sollicitée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, qui veut y ériger une annexe de son siège. Le Conseil des ministres est ainsi invité à donner une suite favorable à cette requête, conforme à l'accord de siège conclu en 1952 avec cette organisation. Le deuxième dossier porte sur le terrain situé à l'entrée de Dolisy. L'Église catholique veut l'acquérir pour y ériger un établissement scolaire, une clinique moderne, une maison de retraite, une église et un évêché. Ce projet induira la création de 300 emplois directs. Le troisième dossier concerne un terrain périurbain de l'État situé à Madibou. La société Vicento S.A.R.L., déjà installée sur le site, au moyen d'une autorisation provisoire d'occuper, a manifesté son désir de l'acquérir pour y construire une plateforme technique et une centrale à béton. L'investissement actuellement consenti avoisine 3 milliards de francs CFA. Les activités qui s'y déploient favorisent la formation pratique et l'insertion professionnelle de nombreux jeunes Congolais, la société concernée employant sur le site actuellement 150 jeunes. Enfin,
Le quatrième dossier présenté par le ministre d'État Mabiala marque l'intérêt de la société Sport Consulting qui souhaite conclure un bail emphytéotique avec l'État concernant un terrain situé à proximité du stade Massamba Déba en vue de la construction d'un complexe sportif consacré à la promotion du tennis professionnel dans notre pays. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a consenti à ces transactions et a adopté ensemble les 7 projets de décret soumis à son examen par le ministre d'État Mabiala. Prenant la parole après y avoir été invité par le président de la République, M. Jean-Rosaire Ibarra, ministre du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, a soumis à l'examen des membres du Conseil 3 projets de décret. Le premier texte est un projet de décret portant institutionnalisation du Forum sur la gouvernance publique. Le gouvernement a opté depuis quelques années pour la rationalisation et l'amélioration de la gouvernance publique. Celle-ci repose sur la logique de performance par la mise en œuvre des dispositions de la loi du 10 octobre 2019 d'orientation de la performance de l'action publique. Le ministère du contrôle d'État a organisé pour ce faire un forum national sur la gouvernance publique du 5 au 8 décembre 2022, assises qui ont réuni les parties prenantes et des experts autour des problématiques du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. Il s'agissait de recueillir les contributions des parties prenantes et de formuler les enjeux prioritaires et plans d'action à mettre en œuvre. Afin d'assurer l'atteinte de ces objectifs, le gouvernement souhaite donc, par la présentation de ce texte, pérenniser la tenue de ce forum, c'est-à-dire rendre ce forum régulier. Le deuxième texte, présenté par le ministre Ibarra, est un projet de décret portant approbation de la charte de l'accueil dans le service public. La qualité de l'accueil dans les administrations du service public recevant des usagers est un enjeu primordial. Il s'agit de doter les administrations publiques d'une charte de l'accueil dans le service public comme outil d'amélioration de la qualité de l'offre des services publics. La charte encourage la création d'outils interactifs pour une meilleure prise en charge et une écoute accentuée des besoins et attentes des usagers. Le dernier texte présenté par le ministre Ibarra est un projet de décret portant création et organisation du label, je cite, « Label démarche qualité », fin de citation, LDQ en sigle. Ce texte est pris en combinaison de la loi de 2019 précitée et du décret du 27 mars 2024 portant approbation de la politique nationale de la qualité du service public. Ainsi, les administrations vertueuses en la matière, adoptant par exemple les standards internationaux de qualité de type ISO 9001, pourront recevoir une distinction et une reconnaissance publique. Le label LDQ confirmerait ainsi l'instauration de la démarche qualité par les administrations concernées. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté les 3 projets de décret soumis à son examen par le ministre Ibarra. Le Conseil des ministres a ensuite suivi 4 communications. La première communication, présentée par M. Jean-Baptiste Ondaye, ministre de l'Économie et des Finances, était relative à la conclusion de la 5e revue et la préparation de la 6e revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit, conclue par notre pays avec le Fonds monétaire international. Lors de sa réunion du 10 juillet 2024, réunion récente, tenue à Washington aux États-Unis, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 5e revue du dossier Congo. Cette approbation permet le décaissement immédiat de 43 millions de dollars américains, soit environ 25 milliards de francs CFA. Ce qui porte le total des décaissements au titre de la facilité élargie de crédit et de la part du Fonds monétaire à
393 millions de dollars américains, soit environ 236 milliards de francs CFA. Pour rappel, les précédentes revues ont été approuvées respectivement le 24 juin 2022, le 6 février 2023, le 19 juillet 2023 et le 21 décembre 2023. Cette approbation récente du 10 juillet 2024 a été conditionnée par la prise de mesures préalables par les pouvoirs publics congolais, telles que la réorganisation complète de la Caisse congolaise d'amortissement, ainsi que d'autres mesures de bonne gouvernance. Malgré quelques faiblesses résiduelles constatées, le conseil d'administration du FMI a encouragé les autorités congolaises à maintenir le cap des réformes engagées. Cet encouragement, illustré par le fait que l'achèvement probable du programme après la sixième et dernière revue attendue, sera une première dans notre pays et va donc se traduire par la visite prévisionnelle à Brazzaville, attendue courant novembre 2024, du directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Celui-ci, le directeur général adjoint du Fonds, viendra échanger avec les plus hautes autorités de notre pays et notamment Son Excellence Monsieur le Président de la République sur les grandes orientations à définir pour la suite, c'est-à-dire après l'achèvement de l'actuel programme. Le Conseil des ministres a pris bonne note de cette information positive. Après avoir félicité Son Excellence Monsieur le Président de la République pour son opiniâtreté dans la réussite de ce processus, les membres du Conseil ont rendu hommage à la volonté et à la résilience du peuple congolais qui a accepté, tout le long de son exécution, avec calme et esprit patriotique, le déroulement de ce programme. La deuxième communication présentée par M. Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la Promotion des partenariats publics-privés, était relative à la désignation de la République du Congo en qualité de coprésident de la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC en sigle, et était également relative à l'information sur la tenue du sommet 2024 de cette instance. Le FOCAC, institué il y a 24 ans, est un mécanisme de coopération entre la Chine, la Commission de l'Union africaine et 54 pays africains. Il a pour objectif de favoriser les échanges et de relever ensemble, Chine et Afrique, les défis de la mondialisation. Il est à noter que notre pays a été désigné coprésident du FOCAC aux côtés de la Chine pour un mandat qui va courir de 2024 à 2027, soit 3 ans. Ce mandat extrêmement important va démarrer à compter de la tenue les 4 et 5 septembre prochains du sommet des chefs d'État de la Chine et de l'Afrique, membres du FOCAC, sommet qui se tiendra à Beijing, en Chine. Les membres du Conseil des ministres ont opiné sur ce succès diplomatique important et ont félicité le président Denis Sassou Nguesso, dont le rayonnement international explique l'élévation de notre pays. La troisième communication présentée par M. Ludovic Ngatse, ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, était relative à la présentation des rapports d'exécution du budget de l'État au 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2023 et au 31 mars 2024, ainsi qu'à la présentation aux membres du Conseil du cadre budgétaire à moyen terme CDMT 2025-2027. Sur la base des chiffres soumis aux membres du Conseil, il faut noter que l'exécution du budget sur la période considérée s'est réalisée dans un contexte marqué par une lente reprise de l'économie mondiale, des perturbations sur les marchés de l'énergie et de l'alimentation, du fait, hélas, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que du durcissement des conditions monétaires mondiales pour lutter contre l'inflation.
Pour ce qui concerne la communication sur la mise en place du cadre budgétaire à moyen terme, il faut noter, et c'est le ministre Ngatsé qui l'a rappelé, que ce cadre budgétaire est un instrument de programmation budgétaire qui s'inscrit dans le processus de préparation du budget de l'État, conformément aux dispositions de la loi organique numéro 36-2017 du 3 octobre 2017, relative aux lois de finances. Bien entendu, le projet de société du président de la République demeure la base programmatique du cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027. En 2025, le chef de l'État a exprimé, je le rappelle ici solennellement, la volonté que le plan national de développement se recentre sur la jeunesse. Un accent particulier est donc mis sur les projets et programmes dont l'exécution vise à satisfaire les besoins urgents des jeunes et à atteindre, corrélativement, les objectifs du développement. Ainsi, deux types de projets ont été identifiés, à savoir, 1, les projets à effet multiplicateur et 2, les projets en cours de mise en œuvre. Enfin, sur la période 2025-2027, la réussite dans la mise en œuvre de l'exécution du cadre budgétaire à moyen terme dépendra de la mobilisation de financements internes ainsi que des apports financiers et des appuis budgétaires à obtenir des partenaires techniques et financiers. La quatrième communication présentée aux membres du Conseil a été faite par Madame Jacqueline Lydia Micolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Elle était relative à la tenue de la 11e conférence des ministres en charge de l'artisanat du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA en sigle, mais également sur l'organisation à Brazzaville de la 2e édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC en sigle. Ainsi, notre pays va abriter du 11 au 12 août 2024 la 11e conférence des ministres africains en charge de l'artisanat de l'espace CODEPA sur le thème suivant, je cite, « CODEPA, quelle approche pour une adhésion des États et une mobilisation des ressources pérennes pour l'organisation ?» Fin de citation. Cette réunion sera complétée par la tenue du 13 au 25 août 2024 de la Foire internationale de l'artisanat au Congo. Il est à noter que ces deux événements sont placés sous le très haut patronage du président de la République. Après avoir été éclairés sur les enjeux de ces deux événements, les membres du Conseil des ministres ont vivement encouragé les ministères compétents à s'assurer de la pleine réussite matérielle et logistique de cet événement. Enfin, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination au ministère de la Défense nationale. Est ainsi nommé président du comité de direction de l'école de génie travaux, M. Louis Bakabadio, conseiller spécial du président de la République, chef du département de l'éducation, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 heures, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 13h45 minutes. Fête à Brazzaville, le 24 juillet 2024. Pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.